Et bonjour, bonsoir YouTube. Ah bah oui, on en profite, on fait une VOD. Hein. Là, on vient de passer 2h30 à papoter de l'organisation du stream anniversaire que vous ne verrez probablement pas à temps parce que cette VOD sortira dans 8 ans. Mais sachez que... Hades, voilà. Attendez, vérification, est-ce que ça marche? Ouah, ça marche, fonctionne, impeccable. Du coup, avant toute chose, là, il faut qu'on papote. Là-bas, faut qu'on papote avec papa, faut qu'on papote avec Achille. Est-ce qu'on papote avec Thanatos? Oui. Est-ce qu'on papote avec Orphée? Oui. Nyx? Oui. Oh, Meg! Meg, on peut lui... Merde, je peux rien lui filer à bouffe. Oh. Vite, d'abord on check le deal. Check le deal. Sans caillasse contre un diamant, c'est worse. Mais faut que je garde mes caillasses pour le housing. Et sinon c'est ok, tiens. Les poissons. I come to you bearing aquatic beasts. Oh là, oh là, oh là, la pêche était bonne. Oh. Oh, trop bien, trop bien, très bien. Bon, parfait. Go faire le lore à présent. Bonjour. Mais bordel de merde. Check in with you again. Regarding the procession line, that's right in front of you, right over there. It's moving pretty slow. I know! Those shades, they just go on and on and on and on forever, blathering about this or that. I mean, Lord Hades, it's a wonder he can stand it, listening to them every day or night. Regardez-moi ça, on parlait procrastiner, alors lui c'est vraiment le champion. Furo, pas avant 10h, voire 10h30. Hein. Sachant que le live va durer une douzaine d'heures. Entrecoupé de quelques pauses, bien sûr. It's a toughie, Dusa, because I think it's important that the shades who wait their turn, why, that they get a chance to say their piece. But it's a real tricky situation. Il est infernal, lui. Let me tell you what I'm gonna do. I am going to sleep on it, and then get back to you. Super. Okay, well. If you don't, though, I'll check in with you again later, I guess. Because I'm under orders, so, bye. Bye. Bye également, le match panda fait Sugo. Des bisous, à bientôt. I've had the opportunity to use your aspect of Varatha, sir. So you once wielded it yourself. It fills me with a hunger for battle even more so than usual. A bit of your fighting spirit, perhaps. Be very wary of that spirit, lad. It was what brought me here before my time. Ah. Although that spear indeed once served me well. A parting gift from my old master Chiron. He cautioned me as I'm cautioning you. Though may you be a better listener. Ça marche. Et bisous. I can't imagine you weren't always a good listener, Achilles. Alors Thanatos, j'ai pas trop envie de lui parler pour le moment parce que j'ai pas envie de faire avancer le lore avec lui. Pour l'instant on est vraiment à bloc un peu comme Doussa, mais c'est que je voulais essayer de faire avancer Meg, mais j'ai l'impression que c'est un peu la zone. Salut le daron. Those cathonic companion things you have from Nyx, or whoever they ended up with. I know they have been benefiting you. Bien sûr. Yeah, well, I'm to attempt to escape this place by any means necessary, right? I figure if I can call on Olympus for aid, maybe some of my friends can help me in a pinch as well. Ça se tient, logique. Not what I mean. Some of your friends have been reluctant to engage against me during our scuffles on the surface. Know that I have authorized them to proceed if necessary. Ah, oh, je... oh putain, mais... La DA du jeu, quoi. Incroyable. Hein. Voilà, toujours justifier les petits éléments de progression du jeu au travers de petites phases scénaristiques. C'est incroyable. Wait, really? You're saying it's okay for your own loyal subjects to side against you up there. You won't take it out on them. I consider it an expansion of their responsibilities. Now go. Yes. Ça marche, Faye. Des bisous. La bonne nuit. Autorité accordée, invocation versus Hades. Quoi? Ça a débloqué un nouveau truc? Ah! Orphée, on en est rendu à y aller un grand coup de... d'ambroisie. J'en ai 16. Hey Orpheus, you know I once wrested this bottle of ambrosia from the champions of Elysium, defeating them 2-1, just so I could bring it here to you personally. Et là c'est vrai en plus. Please my friend, I feel I am undeserving of such a relentless show of kindness on your part. I shall accept, but... You'll relent, won't you? As well as forgive me. Mate, if that is your wish, then it will be my pleasure to oblige. Though may this gift symbolize the strength of our friendship for an... Oh là là, faut peut-être que je fasse attention à pas trop lui balancer d'ambroisie ou de cadeaux dans ce genre-là, mais je parie que ça finisse en plan 3 avec Eurydice, hein. C'est quoi ces conneries, hein? Thank you, my friend. Would that I had capacity to take some joy from this. Ah, t'es trop blasé. Hein? You have such slender hands, why, I believe you do quite well at it. Il y avait marqué quoi là? Prophétie annoncée? Not really been at the top of my list of late, mate. But who knows?
something I've been meaning to try at some point, I suppose. Thanks for the words of encouragement. Uh-huh. Of course, my friend. Mais, d'accord. Ah putain, puis elle, on est... Mais non, mais on est bloqué. Pourquoi je suis bloqué avec elle? Oh, pourquoi je suis bloqué? Pourquoi? Apprenez-en plus en approfondissant votre relation avec Meg. Bah, mais je veux bien. Mais je peux pas. À part discuter, c'est tout ce qu'elle veut. Ask you for a favor, Meg. And I'm willing to make it worth your while if you'll hear me out. Oh. Ah, bah attendez, finalement, peut-être, la réponse à mon interrogation. A proposition, Zacharias. Let's hear it then, while I'm in a charitable mood. Oh. It's about Sisyphus. If I can get my father to alleviate his sentence, would you just ease off of him a little bit? You and your sisters. I think he suffered quite enough under your whips. Uh-huh. I don't know what you see in him, I swear. But you don't need to ask such things of me. If you can overturn his sentence with Lord Hades, I'd like nothing better than to never see that miserable shade again. Ah. Donc ça, en fin de compte, c'est même pas pour faire avancer son lore à elle, c'est pour faire avancer le lore avec Sisyphe. It's a deal. D'accord, donc là, en gros... Non? Ici, peut-être? Oh, what's this? Appartement, musique de... Hein? Quoi? Comment ça, appartement? Qu'est-ce que... Décoration de chambre produit une musique magnifique si vous, en, si vous savez en jouer. Ça coûte un diamant, d'accord. Approved. At least we have a backup singer if we need one. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Genre je peux avoir ma propre lyre. D'accord, je pense que ça va pas être au goût de tout le monde, mais why not, why not. Hein. Ah oui, les fameux thèmes décoratifs, mais qui coûtent tellement cher, mon dieu, quel enfer. On va peut-être finir le salon d'abord. Oh, l'étagère à 20 pour 1500 dirhams, ça. Oh, mais ça, ça, oh là là, ça coûte tellement cher, ça aussi, putain, ça coûte cher. Raccourci hall principal pour 3 diamants. Bon, attends, je vais débloquer ça, tapis sanguin. I think we both know that it's time to change the rug. Are you quite finished alternating rugs? Et puis, ouais, vas-y, le foyer funèbre. Let's go with this one, then. Vas-y. The comfort and the safety hazard of a roaring fire seems the perfect touch for... Oh là là, que c'est raffiné. Que c'est raffiné, que c'est raffiné, c'est incroyable. Ah puis là, on n'a pas fini. Hein. Oh là là, qu'on n'a pas fini. On a tellement de trucs à mettre encore. Aime-moi tout ce délire là. Oh là 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 là. Là, on a de quoi se marier. Hein. Il y a du lore avec le foyer. Hop là, on passe à travers les murs. Ok, LM. The light provided by the flames of deepest hell enhances the lounging area with a soft glow. And their warmth soothes the few living denizens there. On a vraiment quand même un salon into cuisine de compétition quand même. Hein. Bienvenue en enfer, il paraît. Hein. Ah, décédé, serpent. Con. Alors. Ah. Should liven things a bit. Ah, mais c'est la lyre de compète en plus quoi. A delicately crafted instrument of music making now resides within the clamor causing Prince's chambers, doubtless fearing, if it could, his heavy-handed touch. Il est toujours question de la lyre, calmez-vous. Can't be that hard to play, can it? Well... Et on est censé faire ça encore longtemps? Apparemment, faut que j'apprenne à en jouer. Ok. Something new in store for me. Ah merde, c'est vraiment un achievement. Le fils du dieu des morts apprendra un jour à jouer de la musique relativement correctement grâce aux enseignements d'un virtuose en la matière. Bah il faut que je papote avec Orphée, j'imagine. Ah d'accord. Ah oui, non mais il y a toujours plus quoi. Ah oui, putain, puis les trinkets. On a bientôt fini les trinkets. Très bien. Oh putain, ça c'est fou par contre. L'aspect d'Estia. C'est sur quoi ça? Je sais plus. C'est pas sur un flingue. Je sais plus, faut aller voir. On va aller voir un peu ce que c'est que ça. Ça va être quoi l'arme boostée là? On va surtout se fier à ça, je pense. Allô? Merci. Skelly.
en 11 nectars, c'est d'accord. Ah, you're kidding, what? Sometimes, boyo, you make me feel alive again, you know that? Being honest with you here, I'm grateful, really. Parfait. If not for you, my friend, I'd have no one to viciously attack with no fear of reprisal whatsoever. Pas faux. This looked like a shoulder to cry on to you, boyo? Non. Ah d'accord, il s'en fout. Alors, je crois que c'est là l'aspect d'Estia, non? Oui, c'est ça. Exogriffe. C'est ça, c'est ça. Lorsque vous rechargez manuellement, votre prochain tir devient plus puissant. Ok. Bon bah let's go, hein, c'est la prophétie. Hein. Grant me the aspect of Hestia. All right, I'm ready. Ah oui, d'accord, oui. D'accord, ok, c'est le tir sur l'attaque en fait. C'est l'attaque surtout qu'il faut privilégier sur cette arme là quoi. D'accord. Alors qu'est-ce que ça change du coup? Ça rajoute des dégâts. Ok, tir de base du prochain tir. Ok. Ça rajoute des dégâts dessus au fur et à mesure. Bon. Donc on est parti sur une gun run alors. Ok. Alors là c'est soit de deux choses l'une. C'est soit je prends un trinket avec lequel je n'ai jamais joué pour continuer à faire avancer cette prophétie de ses morts. Ou alors. Voilà. Oh. Ah bah tiens. Tu as obtenu le lien forgé avec Orphée et un chibi sur son objet. Ah, d'accord. Quand les liens progressent, on en arrive là alors. D'accord, très bien. Ok. J'avais pas d'infos. Bah très bien. Très bien. Royal. Voilà, c'est bon. Alors, parlons peu, parlons bien. Donc c'est soit j'avance la prophétie des armes, moi je pense que je vais faire ça et on va jouer Zeus pour l'open. Zeus sur le gun, c'est pas mal. Avec les effets de propagation qu'on peut avoir sur les attaques, c'est plutôt fort. Sinon après, qu'est-ce qu'on pourrait espérer? On peut espérer des trucs complètement cons à base de Poséidon aussi sur l'attaque. Hein. Arès peut devenir intéressant sur l'attaque si on arrive à faire les cumuls. Dionysos, c'est pas du tout le... À la limite, si, Dionysos sur l'attaque pour pouvoir stacker le dot, mais c'est... Ouais, c'est relativement limité quand même. Marteau de dédale. Ouais, mais je peux pas forcer les marteaux de dédale. Disons qu'on sait qu'il y en a des garanties, mais je peux pas les forcer. Je peux builder Zeus sur l'attaque. Zeus sur l'attaque, Poséidon sur la tech, et puis on essaie de faire proc le duo qui pourrait être full débile entre les deux. Forçons le destin. Allez. Alors, température trop élevée. Eh ben. Oh. Oh. Température trop basse. Eh ben, tu vas mettre une petite... On n'a jamais joué avec du labeur. Vas-y, on va mettre ça. On va garder un petit délai serré. En se mettant un dur labeur. Et en avant. Quand tu réussis à forger un lien avec les dieux, tu obtiens un chibi 2. Ah, c'est pour ça que je l'ai eu pour commencer sur la trinket d'Hadès. Je comprends. Bien sûr. Hark, young man, for I have a vision I must share with you. Quoi? A waking phrase for Exogriffe, to be precise. Please besiege the weapon thus. I see your prideful fall down from the heavens to the flames. An odd connection to a past or future bearer, apparently one who defied a god. Oh putain, il vient de me donner la phrase d'invocation pour le dernier aspect du flingue. Yes! C'est le dernier aspect caché qu'on n'avait pas eu. Yes! Ça y est, YouTube, on y arrive. C'est beau. Et bah voilà. Ah, l'élan, c'est... Mais go attaque. Thunder time. Ah oui, mais non, je suis pas dans le bon niveau de température. Ah! Est-ce que je commence déjà à faire nimp avec le Déméter? Que je commence déjà à reroll? Oui. Let's try this instead. Non. Non! Bordel de merde! Pardon.
good enough to eat. Super. Bon, bah on va aller chercher des rerolls, on va prendre des clés. Hein. Pardon, je te croyais mort. Should come in handy. Ouais. Puissant. Votre attaque transperce les ennemis et inflige un... Oh putain, c'est fort ça. Ça c'est pas mal aussi, ça. Mais bah non. Alors ça c'est très bon. C'est un bienfait qui est très bon, mais pas sur cet aspect d'arme-là, puisque justement l'aspect, la fonction principale de l'aspect se fait à partir du moment où je recharge. Donc si j'ai plus besoin de recharger, dans le cul du. Mais par contre votre attaque traque l'ennemi le plus proche et inflige plus 10% de dégâts. Forcément, c'est pour la prophétie. Mais là 50 dégâts d'armure ça aurait été tellement fort quoi. Mais elle est bon, la prophétie quoi. Ensuite c'est un reroll, sinon on a Chaos. Let's go. La bonne soirée, Romain. Des bisous et à bientôt. After some consideration and on your recommendation, I tentatively need to make contact with the goddess Nyx again. She is quite distant from me now, of course. If you happen to know, did she receive the message well? Respond. C'est pour ça qu'elle était si distante ces derniers temps. Well, Master Chaos, she can be a little difficult to read at times, but I got the impression she was quite surprised, even excited to have heard from you again. She said that she would think about how to respond, or whether to respond. Hmm. I see. Well, she shall find a way if it is warranted. I always did expect the world from her. There were times when I expected her to shine as bright as day, though she is night. When she achieved a certain level of ability, she left, and I could not find her. Okay. Oh, putain! Eh ben... non. Oh, on est... Oh ouais, d'accord. Oh, c'est fort, ça. Chaos est amoureux de Nyx. Tu n'y es pas du tout. Chaos a créé Nyx. Mais l'attaque fait plus 89% de dégâts, ça peut être très fort, ça. Ouais. Ouais, d'accord. Be careful, son of Hades. In the name of Hades. Bravo. Pas foudroyante, parfait. Ok, let's go. Just on a little break. Hello, sir. Good seeing you as ever there, Baldi. Allez, Baldi. Toujours aussi intéressant de claquer un nectar sur toi, alors je sais toujours pas à quoi ça putain de sert, mais c'est pas grave. Sisyphus, I've meant to ask. Where are you getting all this stuff you give to me? You must be pretty well connected around here. Oh well, you know, I have acquaintances amongst the locals here. Try to be neighborly with everyone is all. It's not just Baldi and myself, as you can see. Sometimes I come across things that'd be better off in other hands than mine. Il est vrai qu'après réflexion, je suis en train de me dire que Artemis sur l'attaque aurait pu être très fort aussi, dans le sens où le premier tir étant déjà bien plus puissant, si on pouvait améliorer un taux de crit dessus, ça aurait pu être fort. Ça aurait pu mettre des grosses claques dès leur lit, quoi. Say no more. Thank you, mate. Ah, parfait. Boss. Hey Seth, ça roule. Gratos. Gratos. Oh là là, l'élan c'est parfait. L'élan c'est parfait. Il me faut le duo avec Ares ou avec Athéna. Ouais, alors Athéna, fuck. Non, pour que je puisse faire proxion légendaire, il me faut quoi sur haute tension, double impact. J'ai pas. Mais l'élan, c'est d'accord. Let's go.
Qu'est-ce que... Ça, c'est idiot, ça. Ah oui, c'est vrai, il me donne un bienfait, Jean-Michel, là. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Ah, merde. Ah, comment je peux voir ce qu'il m'a donné? Oh, zut. Oui, c'est vrai qu'il m'a donné un petit buff, Jean-Jacques, là. Attends, oui, c'est vrai. Ah, je peux pas le voir. Bah, tant pis. Il m'a filé quelque chose, mais je sais pas quoi. C'est vrai que Bouldi, il me donne un petit buff de pas grand-chose, mais... Parfait. C'est bon, on est revenu. Ouais. Parfait. Ah. Ça cependant je dis pas non. Let's go. Je vais t'envoyer une requête d'amis sur Epic, normalement ça a marché, désolé pour le spam. Pas de soucis. Ça déblaye plutôt pas mal. Hein. Le shop. Un petit Zeus dans le shop là. Ah, quoique, oui. Just what I need. Ouais. You can't do that. Ok. Parfait. Bon, il fallait ça sur l'attaque, mais c'est ok. Hey there, Meg. Ah, Meg. On la connaît bien, Meg. C'est parfait. I almost want to thank you, Zagreus. I thought you'd never change that blasted pact and leave me here in peace. Ah, sérieux? Attends. What, you mean you aren't lonely or without Electos or Tisiphone's companionship? They seem so wonderful to have around. Oh. They're tolerable each to some extent. About as much as I can say for you. Now, let's the two of us begin. Progression du lore en vue, j'en ai bien peur. Allez, ça dégage. On peut reroll le magasin. Non, tu peux pas reroll le magasin. C'est l'une des rares pièces que tu ne peux pas ni changer la destination, ni changer le contenu. Bon, ça va, pour l'instant ça se passe. Je pense que clairement ça va être une run assez, assez cool. Hein. Si vraiment je fais pas de la merde, ça devrait bien se passer. Après par contre, va falloir que j'upgrade un peu le build pour pouvoir gagner un petit peu en confort. Merde, j'aurais dû... Merde, j'aurais dû passer sur le trinket de Poséidon. Bon, je verrai à l'entrée de... À l'entrée de l'Elysée. Ouais, bien sûr, évidemment que ça a du sens. Mais Hermès derrière qui peut me booster l'attaque. Ouais, ouais. Ah, il y avait de l'argent, il y avait de l'argent. Il y avait de l'argent. Il y avait de l'argent. In the name of Hades. Super, ouais. Chaque fois que j'utilise mon attaque, je perds 3 HP et ensuite j'obtiendrai un lancer de plus. Est-ce qu'on n'est pas en train de s'en taper un peu le cul? Bon, tu me diras, c'est pour la prophétie, mais ça mange à être très moyennement. L'assaut fera plus 60% de dégâts, je m'en fous vraiment, mais...
Oh, c'est naze. Allez, Ron Corpo, let's go. Là, Ron Corpo qui va bien. Ne déplace pas trop loin. Voilà, parfait, ça dégage. Perte de temps avec ça, HP up shop ou grenade. Peut-être aller chercher des HP. Doucement les pièges. Il y avait une clé dorée. Non, non, il y avait un vase doré. Un vase doré dans lequel il y a du fric. Bravo. Ah bah oui, bah. Toujours plus. Faut que je puisse récupérer l'état choqué en bienfait de Zeus là. Ok. Ah. J'ai pas encore eu le duo avec Harris justement. Ça peut peut-être se tenter, tir de soutien d'Artemis. Merci ZZ Camille pour le follow, bienvenue. Un soutien d'Artemis, évidemment, ce serait très fort, mais là, pour le coup, je voudrais aussi essayer de faire avancer un peu la prophétie. Par défaut, on va aller chercher Ares. On va essayer de se mettre en situation de duo. Ça c'est réglé. Mais quel connard. Droite gauche, droite gauche, j'ai pas su ce que j'allais faire. Je suis mis dedans. I trust that Thanatos is doing well. Although he brings to mortals merciful release, whilst I most certainly do no such thing, I do appreciate his take on it. Alors attends, qu'est-ce qui me met déjà en situation de duo avec Tonton Zeus ? Déflagration tranchante. Ah oui, c'est qu'il me faut aussi un autre derrière. Oh mais ça m'emmerde, je veux pas mettre ça sur la tech. Est-ce que pulsion meurtrière en fait partie? Si ça en fait partie, c'est gagné. Non, pas ça. Je crois bien qu'il va me falloir les deux de toute façon. Oh, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Embêtant. Bon bah tant pis, y'a pas trop le choix. I will keep fighting. Donc on commence à setup gentiment. Là on a que la greu. Let's go. Tir de soutien d'Artemis, évidemment avec le gun ce serait très fort mais... on va essayer de faire autrement. Ouais. De toute façon, il va falloir qu'on s'adapte. Oh, parle-moi d'adaptation. Parle-moi-en tiens. C'est bon, t'as bien rattrapé le temps avec Orphée. Kappa. Listen here a moment, Hades kid. Look, I thank you from the bottom of my heart for bringing Orphe back to me again and everything. Ah, my pleasure. Eurydice, you're more than welcome, really. You've helped me through the flames of hell time after time.
Least I could do is coax old Orpheus out of his private pit of despair so you and he could set things right between the two of you. Well, you're a real sweetheart, hon. You'll still be seeing Orphe all the time around your house, but now I get to see him too. Nice having something to look forward to, you know? Bet someone out there feels that about you. Probablement. Alors, qu'est-ce qui peut techniquement level up ici? Ma frappe, mon sort de douleur, la rapidité de la tech, et mon dash. Bon, je pourrais très bien choisir de faire mettre un niveau sur tout. Par contre, bon voilà, on a vu que prendre un niveau sur l'attaque, bon, pff, c'était un dégât d'étincelle en plus, c'est vraiment pas pas dingue. Je peux essayer par contre de piffer la bouillie de délice d'ambroisie, puis de piffer la rareté. Allez. You got it, hon. L'élan et l'attaque. Why, thank you. Ah, alors l'élan, d'accord. Hein? Mais non, pas l'attaque. Ah oui, mais technique fulgurante. Ah oui, mais oui, mais d'accord, oui. Il m'a filé le... D'accord, il m'a level up, putain, rien sur les aspects principaux du moveset, quoi. Ah, oh, fuck. I'm out. Bon, cependant, je peux la spammer, hein. Avec 30% de rapidité en plus, je peux littéralement la spammer, quoi. Par contre, il manque du fric, c'est dommage. Oh, il y avait Zeus, je suis deg. Y'a pas un peu de pognon qui se cache là-dedans, là? Oh non, je pouvais... Oh non, mais y'a rien du tout. Oh, je suis full deg. Oh putain. Eh ben, tu sais quoi? Pour la peine, on achètera un HP up. Oh, c'est chiant. Parce que là, pour l'instant, on arrive à la fin d'Asphodel et c'est pas non plus... c'est pas brillant comme stuff, quoi. C'est pas dingue, hein. I'm back, Lenny, to kill you once again. Comme d'habitude. Good. Il va mourir, toi, saloperie. Là, j'ai oublié les tirs au mignon. Ça combat plutôt bien dans l'ensemble. Ça combat plutôt pas trop mal. Et merde. Ouais, c'est ok. C'est ok, mais c'est encore... Hein? Quoi? Ah oui, j'étais sous cet effet-là, oui. Oh, pff, ouais, d'accord. Ok, ouais. Bonne nuit, Hibou. Des bisous de la bonne nuit. Non, non, et non. Merci. C'est que Zeus, j'ai quasiment rien fait dessus, quoi. Zeus, j'ai son dash et j'ai l'attaque, quoi. J'ai rien du tout, en fait, pour l'instant, quoi. J'ai même pas l'état choqué, j'ai rien de tout ça, quoi. C'est pour ça que là, on a les fondamentaux, mais pour aller plus en profondeur... Putain.
Ah, c'est là, ça va commencer à être un peu la merde, non. Non, non. Ah. Oh oui, d'accord. Alors attends, votre technique tire 5 bombes à la fois, mais chacune inflige moins 30% de dégâts. Les ennemis ciblés par votre technique se déplacent plus lentement, c'est 30%. Et ça, oui, ça devient le lance-roquette. Le lance-roquette, c'était tellement puissant. C'était fou, le lance-roquette, quoi. Où ils sont ? Ah oui. Non, je vais garder lance-roquette. Hein. Lance-roquette, c'est vraiment une valeur sûre. Hein. L'autre, par contre, je mesure assez bien le potentiel de débilité que ça peut avoir de balancer 5 bombes à la fois. Notamment quand t'as un build de Poséidon dessus, ça peut être complètement con. Hein. Le potentiel de repoussement que ça peut avoir. Après, si t'as des bons boons dessus, ouais, ça peut être assez débile. Hein. Yes. Allons-y. Sérieux, bordel. Mais vraiment ? Apparemment, j'ai décidé de tout me manger. Hein. C'est l'élan qui up. Pas que ça m'arrange, mais. Oh, c'est pas terrible tout ça quand même. Hein. Ah, Hermès. Héros Kakaroto. Dans la merde en fait là. Je suis un peu dans la demeure là quand même là. Ever since we met Lord Hermes, life here in the underworld has been much faster pace, and I am ever grateful. This is for you. Hey boss, I appreciate the tip, but just as a reminder, all my services are paid in full already. No need for special thanks. Though, cheers. Amourante fait aussi son birthday stream. Gorette, ta partenaire de jeu de naissance. Mais ça suffit, oui. Putain, mais je croyais qu'elle avait été banned Twitch, non? J'ai loupé une info, je crois. All this time that I've been busting sores across the borders of your father's land, it's good to have the chance to help somebody out the other way. Ah, l'attaque plus rapide, j'ai plus d'élan. Ah, ouais, alors attends, qu'est-ce qu'on veut finalement? Oh, l'attaque. Faster than ever. Ouais. Je peux me soigner là-dessus. Donc ouais, c'est pas déconnant. Ça sera toujours ça de prix. Yes. Oh, oh. Ah ouais, non, mais là je peux pas skip le duo, là c'est pas possible. Ah, déso Patrocle, hein, mais là je peux pas skip. Hein. Seulement 3 jours, elle rapporte tout de fric. Ah. Je comprends. Enfin, pas du tout, mais bon. Bref. C'est quoi cette merde? Mais l'état choqué, il est où? Choice leaves my...
blablabla. Voilà. Là, ça m'a gonflé. Nul. De toute façon, je peux pas avoir de duo ici, donc soyons clairs. Ah, si j'ai le temps de les appliquer. Mauvais sort, rage du combat, tir tranchant. Y'a rien qui me fout, putain. Ça va être juste un complément gratos quoi. Le lancer qui fait une faille tranchante, c'est non. Faut pas vraiment dire que ce soit dingo tout ça. Allez, let's go. Quelque chose d'intéressant en build, j'étais parti au niveau de livre. Pour l'instant, non, pas ouf quoi. Merde. Tiens. Sur cette belle info, je vais dormir. Des bisous et à demain. Ça marche qu'une touch. Des bisous et la bonne nuit. Au revoir. Such a splendid offering to me. How very thoughtful there, my kin. I am taken aback, though I accept. Parfait. In the name of Hades. Et le duo, il est où, bordel de merde? HP, je suis dans la sauce, vite. Ares encore. Allez, Ares, le duo, bordel. Putain, je suis en train de faire un setup Ares, alors c'était pas du tout prévu comme ça, quoi. Merde, des pièges. Là. Hello, Lord Ares. Putain, il va pas me le donner. Attends, est-ce que j'aurais pas oublié un bienfait? Un bienfait nécessaire pour faire proc le duo là. Ah, alors déjà, oui, il y a son légendaire, j'ai jamais eu. Une chose. Un parmi, bah non. Putain, fuck. J'ai eu aucun duo avec Ares quoi. Oh, ignoble. Métal noir, vortex insatiable. J'ai ça ici? Pas du tout. Je veux pas te son lancer. The war is on. Le revenge. No one's here. Petit shop, ouais. T'sais jamais s'il y a du Ares dans le shop. Non, mais il y a du Zeus. Il y a du fric. Cheers, mate.
Choqué, bien sûr. Très bien, l'état choqué. Au moins, il est tombé, c'est déjà ça. I swear upon my honor, fiend, you shall not pass. You shall not pass. Enfoiré. You are unfit to walk these hallowed passageways. Ah, saloperie. Il y avait pile l'angle. Oh merde! Oups! Oh là, ce n'est pas prévu ça. Merde! Mais non. Putain, je vais crever là-dessus, c'est pas vrai. Non, putain! Ah, c'est honteux ce que je prends comme dégâts. Oh là là, ce que je prends, c'est horrible. Mais sérieux? You fiend. That'll do. Finalement, j'ai décidé de tout prendre. Hope you enjoyed the show, my good shade. Et d'être à deux doigts de perdre un second refus de la mort. Incroyable. Oh, j'ai oublié, oui, pardon. Hop, voilà. Go on and try. Bon. J'ai oublié de changer mon trinket. Incroyable ça. Putain. Ah, poisson. Bah dessus. Mais bah dessus. Là on est pas bien là quand même. Hein. Ah, je vois qu'il y a un reste là-haut, je sais pas si... Arrête de causer, concentre-toi, bref. J'allais dire, je vois un reste là-haut, je sais pas s'il est sur une salle de boss ou pas. Par contre, j'ai bien avoué que Dionysus cuvée de prestige. This one, I guess. Petite cuvée de prestige de Dionysos, ça, si ça pouvait tomber, ce serait très cool, là, ça m'aiderait, là. Ça me filerait un sacré coup de pouce, là. La technique est encore lente, hein. Malgré tout. Pognon. Okay. Come on out. Ah.
Tu vas me le donner, ton putain de duo? Bordel de merde. Oh, le jeu il a pas lagué, c'est faux. Just what I need. J'ai un reroll. J'ai un reroll sur Damata. What else we got? Je garde l'info. Je garde l'info, ça peut être utile ça. Il a quand même eu le temps de me le foutre son empoisonnement, hein. Saleté. Hein. Ok. Faut oublier non plus qu'il y a le revenge. Je crois qu'il y a même deux revenge. Je sais plus où j'en suis au niveau. Can't do that. Au revoir. Putain, ça va pas être une salle du plaisir ça. Encore fini? Ah, c'est quoi là encore? Il est où le mec qui reste? Allo? Tu t'es cru drôle? Enfoiré. Hein. Ok. La bonne nuit, Ben Smith. Des bisous et à une prochaine. Chercher du fric. Allô? Merci. Not yet. Je perds beaucoup trop de dégâts là-dessus. Putain, enfin, je prends beaucoup trop cher. Bordel. It's no use. Yes. Parfait. Leur histoire du refus de la mort et la salle de fin. Ok. Boult HP. Très bien. Ok, pas trop mal. Blablabla. Et il a pas sa cuvée de prestige, con à deux. Voir dans une fontaine, j'ai plus de fontaine là. Bah non, c'est fini ça. Aphrodite, aucun intérêt. Derrière, ça va être les grenades. Delicious. Oh! Ah, c'est parce que je subis des dégâts, c'est le revenge qui est boosté à ce point-là, quoi. D'accord. Pleasure doing business. Ah, parfait ça. Continue. Yes.
Là, à mon avis, ça risque peut-être pas être une salle très confortable à la fin. Ok. Bien. Non. Non, même le lancer, je vais le garder. Tu sais quoi, ça pourra peut-être servir. Les dégâts de malédiction boostés, ça fait mal. Hein. Ou que ça fait mal. Allez! Très bien. Parfait. Et bah ça c'est cool. Les effets de vengeance qui peuvent se déclencher spontanément. C'est pour la prophétie, ça avance. Enfin, le duo. Allez, go. On y va. The prince again persuaded fearsome Cerberus to get out of his way. Il aurait fallu le provoquer ce duo pour qu'il tombe. Ah la vache. Alors que c'est pas du tout ce que je voulais faire à la base. Hein. Moi j'étais parti faire un duo de tonton et pas un duo tonton in Tuarès. Mais bon, au moins ça fait avancer la prophétie des duos. C'est toujours ça de prix, on va pas cracher dessus. I don't think I'll ever get accustomed to the breeze. Let us see if the support you're getting from Olympus amounts to anything of use. Oula, d'accord, direct. Excuse me for a moment. Ça commence, direct. Putain, oh sérieux. Wow. Ah. You waste your strength. Oh l'enfoiré, putain. Non, bordel, je croyais l'éviter. Mais reste pas là! Oh là 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 là. Let's see you deal with this.
Oh putain, si je passais par-dessus. You brought this on yourself. Ah putain! Pas ça. Oh bordel! Oh, I won't go back. No. Putain. I failed you again. How? Let's do this. Again. Ouais, do this again. Got you. Putain. In my father's name. Culé. Aïe, aïe, aïe. Ou que ça a pas été simple. Attendez. J'ai oublié de noter des runs la dernière fois. Mais vas-y, on réussit 37, strict 13. Attendez, mais ça fait combien de temps que j'ai pas noté des runs, non? Ah. Il manque 3 runes au compteur sur l'élément texte. Une 37 et donc on est reparti sur une streak de 13. Ouais, il y a un petit moment que j'ai pas mis l'élément texte à jour. Ok, ok, ok. C'était quand même pas simple. Pourtant au départ ça partait d'une bonne intention, mais malheureusement ça s'est vite transformé en cauchemar. Heureusement qu'on a fait avancer les prophéties, pour les aspects d'armes notamment. Et qu'on a trouvé des duos de plus avec des temps dégueulasses. Et en plus, et le pire c'est qu'on était qu'en température 2 quoi. Oh. Ah mais remarque, j'avais pas mis le truc où je subissais 20% de dégâts en plus, je crois que c'est ça que j'avais mis comme saloperie davantage. Peut-être pour ça que je prenais la max par moment. Bon ça n'a pas empêché que, pas que par moment, mais très souvent j'ai vraiment joué comme une merde. Blood. C'était la première run, ouais. Et puis la petite der d'ailleurs. And so, here comes another one for him. Again? Again? Eh oui. C'était la petite der. C'était la première et petite der. Wonder if I can get out even faster. Ah, tu demandes d'aller plus vite? On va y travailler. Bon YouTube, désolé, on était revenu sur les moods des VOD de moins d'une heure, mais du coup là c'était un peu compliqué. Mais au moins pendant ce temps-là on avance, c'est cool. On va vous laisser là-dessus, et puis à très vite pour toujours plus de bordel. Au revoir.